Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration Modérée Soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bandeaux. Donc, c'est très sympa à faire, très facile. Donc, c'est assez sportif aussi. Donc, c'est élastique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, lui faire ça avec les restes de tissu. Voilà, donc, ça peut être accessoire normal ou pour le sport ou pour la maison, comme vous voulez. Donc c'est vraiment aussi un projet pour les débutants. Pour cela, donc on a besoin de quoi mesurer, du tissu, aiguilles qu'il faut, les aiguilles pour fixer le travail, une paire de ciseaux. Donc on va mesurer avec notre mètre, notre bout de tissu. Donc c'est, vous faites votre tour de tête. Donc là, ce que j'ai fait, c'est adapté à mon tour de tête. Vous avez vu, donc au niveau, voilà, pour la largeur, vous pouvez faire de 10 à 15 cm. Donc j'ai à peu près 11 cm de mon côté et donc 50 cm de long. Donc l'idée maintenant c'est de plier en deux dans la largeur. Donc c'est avec l'aiguille jersey qu'il vous faut. Et donc l'idée, voilà, c'est de marcher, donc de coudre en zigzag maintenant. Et ici, donc tout le long. Après, vous pouvez prendre le bout avec une épingle à nourrice et comme ça vous aidera à retourner le tout. Donc, c'est prêt, les prochaines étapes. Donc maintenant ça nous fait quelque chose d'assez net, de sympa comme couture. Vous le voyez, donc tout ressort à l'intérieur, rien n'est visible. Et je trouve ça pratique et plutôt sympa. Maintenant l'idée c'est de coudre les deux bouts. Donc on va pouvoir rentrer l'extrémité vers l'intérieur, comme ça on a un contour plus sympa. Et on va mettre, du coup, on n'a plus qu'à enfiler l'autre bout. Voilà. Et vous voyez, on pouvait en faire en sorte que voilà, la ligne soit en accordance avec l'autre ligne, ouais, que ça soit pas trop en décalé. Donc, que les deux lignes, en gros, soient alignées. Comme ça, donc on a terminé notre bandeau, c'est plutôt pratique. Donc on pourrait vraiment l'utiliser pour différents moments, comme pour le sport ou autre. C'est aussi bien quand on est assis à la maison et qu'on n'a pas envie d'avoir les cheveux dans les yeux. Ça peut être très pratique. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis c'est très, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pratique comme projet quand vous avez des restes de tissu et que vous ne savez pas trop quoi en faire. J'en ai un aussi donc dans les tons bordeaux, ça a l'air pas mal non plus. C'est voilà. Donc là j'ai un petit peu cousu à la main aussi. Voilà, de toute façon ce n'est pas trop visible, c'est censé être le dessous.
Et ici, et là je l'ai fait avec la machine à coudre, on voit un petit peu la différence. Ok, donc j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et voilà, donc vous pouvez aussi partager vos idées et autres donc dans les commentaires. Et j'espère vraiment vous voir très vite. Salut!